Luis Enrique nous fait comprendre en conférence de presse qu'il est prêt à payer son billet pour aller voir jouer Ousmane Dembélé. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos de Luis Enrique. Mais avant de commencer, si tu me dis qu'on va traverser cette vidéo ici, nous on parle de foot ici. Nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est qu'on est parti. Alors, Luis Enrique nous fait comprendre qu'il est prêt à payer son billet pour aller voir Ousmane Dembélé jouer. Parce qu'il faut le souligner, pour moi, Dembélé a fait un match. Il a fait un match moyen. Et quand je parle même de moyen, je suis gentil face à Dortmund. Et il nous dit en conférence de presse que non, Dembélé est incroyable. Moi, je comprends le coach qui veut protéger son jeu, mais j'espère vraiment que dans les vestiaires, ce n'est pas le même discours qui tient vis-à-vis de Dembélé. Parce que pour moi, Dembélé, depuis qu'il est arrivé au PSG, il est mitigé. Ses prestations sont mitigées. J'espère que le discours qui tient devant les médias, ce n'est pas le même discours qui tient dans un vestiaire. Parce que s'il tient ce discours devant Dembélé, que non, tu es incroyable, pour moi, il détruit le joueur. Dembélé n'est pas incroyable. Dembélé, ça fait déjà au moins 3 ou 4 matchs qu'il joue. C'est 0 but, 0 passe décisive. Donc, il est mitigé, voire mauvais. Il est mauvais selon moi. J'espère vraiment qu'il va secouer ou bien qu'il secoue déjà Dembélé dans les vestiaires. Parce que ce n'est pas digne d'un joueur de classe mondiale. Partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao!